Hey, le bouton random maintenant il fonctionne. Bon, c'est pas par magie, hein, je veux dire, je viens de le coder, mais voilà. Et donc en fait, quand je clique sur le bouton random, bah, il écrit nouveau et après il trouve un titre. Donc en fait, là je vais cliquer sur le bouton, toc, voilà, et du coup il a nouveau, puis après il a trouvé un titre. Après, je reclique sur nouveau et là il a encore trouvé un autre titre. C'est bien, hein? Donc je peux cliquer sur vider, comme ça moi la playlist ici elle est à zéro. Et du coup, quand je clique sur random, et ben ah bah là il l'a pas trouvé du premier coup, là, il a trouvé un freecell.zip. C'est pas une musique, hein, freecell.zip. Du coup, il en a cherché une autre. Puis là, il a trouvé NTO 1825 original mix music.neg.mp3 dans le dossier download avec. Et donc, bah, c'est bien, voilà, et ça marche vraiment. Donc maintenant, on va la tester sur mon téléphone, parce que j'aime bien la tester sur mon téléphone, comme ça je l'ai après dans mon dans mon téléphone. Est-ce que je viderai pas ma playlist? Allez, je vous fais une démo complète. Et c'est pour vous, hein. Putain, il y a intérêt d'avoir des vues sur cette vidéo parce que là, je viens de niquer ma playlist. Donc, si je fais random et que je fais next, là, on a F27 qui est lu. Voilà. Et donc, si je fais next, c'est la même vidéo qui sera lue. Donc, je vais faire random, je refais next, et c'est toujours la même qui est lue. Bon, je crois qu'il faut au moins 3 musiques pour que le random fonctionne. Donc, on met 4. Ok, ça crash. Bon, bah, ne faites pas, ne mettez pas 4 musiques. Je fais next. Ah, ça marche. Et qu'il est étonné que ça marche. Ah, ça marche plus. Compile tranquille pour MP3. Ok. Si je fais next, ça c'est 1. Ok. Si je fais 5. Ah merde. Je crois que j'ai crash mon appli. Si j'en mets 10. Ah yes, putain, ça crache. Hop, on installe et c'est parti. Du coup, ouais, j'avais eu un petit bug tout à l'heure, c'est qu'en fait ma liste de favoris avait de la musique, avait du contenu, mais les musiques n'étaient pas dans la playlist, puisque du coup j'avais vidé la playlist, le bouton que j'utilise jamais. Et du coup, ben, il y avait un petit problème. Donc là, bon, je vais remplir de 4 musiques, comme ça au moins il y aura une base. Donc là on voit, alors attendez, je vais zoomer beaucoup, comme ça on verra bien que. Alors, parce que ça va être flou, mais pas merde. Donc là on voit playlist stock, il y en a 4. Et donc si j'appuie sur next, alors je vais mettre play mute. Ok. Donc j'ai changé la couleur de la barre, n'est-ce pas? Elle est orange, oh, c'est beau. Et du coup si je fais next. Là, il va lire une musique, on va dire, normale, hein, de la playlist, n'est-ce pas? Par contre, si je veux lire une musique favori, donc une musique love, n'est-ce pas? Là, je vais appuyer sur Next. On voit que, voilà, il lit une favori. Par contre, là, je suis passé à 5. Voilà. Et donc, pareil, si je lis 10 musiques comme ça, hop, jusqu'à t'en avoir une musique love, voilà, bah là, je passe à 6. Parce qu'en fait, les musiques le favori qui ne sont pas dans la playlist, bah comme elles sont favoris, bah on a envie de les avoir. Donc en fait, il les réinjecte dans la playlist, quoi. Ok, donc me revoici. Du coup, ben voilà, le petit ajout de random fonctionne bien. Donc je vide la playlist, comme ça au moins, bah, j'ai plus rien. Donc là, si je fais next, bah ça ne fait rien, n'est-ce pas? La musique actuelle fonctionne, mais on peut pas faire next, quoi. Donc il faut rajouter au moins 4 musiques parce que sinon le random fonctionne pas très bien. Je fais next, et là effectivement j'ai une autre musique qui peut se lancer, donc c'est plutôt cool. Donc là évidemment si je fais next plusieurs fois, alors déjà je vais épuiser mes favoris, puisqu'elles vont se réinjecter toutes les 10 musiques dans la playlist principale, et surtout on voit que la playlist augmente puisque les favoris vont dans la playlist principale, quoi. Donc voilà, et évidemment je peux faire random pour rajouter énormément de musique de façon totalement random, et ce bouton est absolument magnifique. Donc bah là j'ai tous mes dossiers qui sont scannés. Ça c'est quoi ça? J'ai mes dossiers, ouais, qui sont scannés, et du coup les musiques sont choisies totalement au hasard, et c'est cool. Donc bah voilà. Du coup bah, j'espère que ça vous aura plu. Je partagerai le lien. Donc là c'est 10, je sais pas combien là.
Le lien c'est fromsmash.com/lfpf1050 et puis sinon j'enverrai le lien dans la description. Donc bah voilà, hein, puis n'hésitez pas à cracher sur l'application parce qu'elle est moche et à vous amuser avec parce qu'elle fonctionne quand même vachement bien. Essayez de la faire crash, ça me plaît beaucoup. Là par exemple, dès que je faisais next deux fois, donc en fait j'allume l'application, je fais next deux fois, ça crash parce qu'en fait les favoris sont lus dès le démarrage de la playlist, enfin au bout de deux lectures, qu'en fait la favorite ne va pas se mettre en route directement à la lecture, c'est à partir de deux lectures et toutes les 10 lectures. Voilà, donc ça faut le savoir. Et donc si vous appuyez à chaque fois deux fois et que l'application crash dès le démarrage, bah, il suffit de me dire attends, l'application c'est de la merde, dès que j'appuie deux fois au démarrage, bah, elle marche plus. Et comme ça, je mettrai à jour tout ceci. Donc, bah, sur ce, bah, plein de bisous, puis bah, à très bientôt, et c'est parti pour des heures de musique non-stop. Allez, à bientôt!